Allez-y. Donc voilà. Pas plus que d'habitude. On y est, on a ouvert, ça fait 2 mois. Comme vous pouvez imaginer, c'est à toutes les victimes qu'on pense. Hier soir, quand on était un petit peu seul hier soir dans le magasin, on pensait qu'à elle. Ça a été le moteur de la réouverture, ça a été toute l'énergie de la réouverture. On avait hâte, pour tout vous dire, de réouvrir, de reconstruire ce que nous, on peut reconstruire, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Mon sentiment, toujours la même, comme je me répète, beaucoup de haine, de la haine, de la colère, de l'injustice. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent pour moi en l'occurrence. 20 ans, on ne doit pas partir à 20 ans, c'est pas possible. Un enfant ne doit pas mourir à 20 ans à cause de la bêtise humaine, hein, et surtout parce qu'il était juif, quoi. Nous sommes debout et déterminés à continuer à vivre librement dans notre pays, au sein duquel la fraternité, la concorde, le respect, les valeurs de liberté seront toujours plus fortes que toutes les formes de violence. Merci à vous. Ils ont mis tout ce qui est... Là, vous faites les deux, c'est d'ailleurs plus... Non, je n'ai pas peur, parce qu'il faut revenir sur les événements... qui ont eu lieu. Il y a eu un événement tragique. On n'était pas loin de l'événement puisque moi j'habite le quartier. Et là, on revient refaire nos courses régulièrement parce que c'est un magasin dans lequel on venait régulièrement et on n'a pas peur. Voilà, on va enregistrer. Pardon. Voilà, je vous présente.